J'ai oublié de brancher le multimètre. J'ai eu le câble du multimètre, j'ai perdu. C'est pas celui-là le câble. Non, ça c'est la lampe à UV. C'est celui-là le câble alors. Ouais, c'est celui-là. Ah, je vais refaire les lumières. Voilà. Et ça c'est configuré. Normalement on est live. J'aimerais bien avoir la caméra en face de moi. Oh tant pis. Je l'ai encore sur le côté. 50 euros. De quoi? Et un terrain? Ils ont augmenté de prix? Salut! Ça va? Ils ont vachement augmenté là. Attends un peu qu'il y a des gens. Je vais allumer la lumière, j'ai pas allumé la lumière. On verra pas sinon. Voilà. C'est mieux. Ça va bien, c'est bien que j'ai la webcam en face de mon écran. Il y a pas mal de gens déjà. On peut commencer maintenant. Ça vous va? Je vais prendre sur ces discounts. De quoi? Ouais. Ça marche. Il y a le logiciel de... Ouais, voilà, qui marchait pas. Tout le monde va bien, il y a tout le monde. On commence. Ouais, je pense que oui. On va chercher l'ordi par contre. Chose, vous pouvez le voir, donc en vue du dessus, en vue plongeante. Voilà. Donc on a cet ordi là qui a une charnière qui n'est pas vissée. On l'a filé comme ça. C'est pas très grave. Et on va parler de l'USB-C. Pour parler de l'USB-C, il faudrait le tester. On a le tester. Et on y va. Donc, l'USB-C, c'est une vaste science. C'est... Oh, le micro, il est trop loin. Je le mets en face, pardon. C'est une vaste science, c'est compliqué à tout comprendre parfaitement. Mais c'est à la fois simple. Il y a quelques petites règles. Et tant qu'on connaît ces petites règles, ça va bien. Donc on va voir les petites règles qu'il y a ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'USB-C, c'est un port qui est un peu fourre-tout. Dans le sens où, quand ils ont créé les spécifications, ils se sont dit, bon, on transporte du 5 volts en USB, pourquoi pas faire plus. Et les gars sont allés vraiment plus loin. On va regarder ça ensemble, on va se mettre sur un navigateur. J'ai pas de navigateur qui... Ah, il fait pas le tracking des autres onglets. Tiens, c'est bizarre ça. C'est un bug. Ah, j'ai un... Bon. C'est embêtant ça. Tu veux les puces d'ailleurs? Non. Tu les déranges? C'est gentil. C'est pas ça que je veux. Ah, bah tant pis. Je voulais faire une recherche Google depuis mon ordi, si j'ai une idée, mais ça va pas être propre. Attends, si je fais une nouvelle vue et qu'on capture une fenêtre plutôt, ça devrait marcher. Capture de fenêtre, même si la taille est pas bonne. Voilà, cette fenêtre là. Je la place comme ça, un peu en loose des, tant pis. Ok, cool. Et si on tape ceci, donc USB, pardon ? Deux. USB-C et qu'on regarde un peu ce qu'il dit sur la fiche Wikipédia pour commencer, c'est tout con hein. Et pour connaître un sujet c'est bien de se renseigner un tout petit peu avant quoi. Tchac.
Elle est là, notre prise USB-C. Cette image n'est pas terrible. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une paire de, il y a des pins rangées d'un côté, d'autres pins rangées de l'autre. Les deux sont exactement sur le même alignement. Ça, c'est important. Tout simplement parce que ça permet de croiser les choses. Les pins du dessus et les pins du dessous sont pour la plupart liés aux mêmes fonctions. Et ensuite, quand vous le branchez en fonction de ce que vous voulez passer, si un truc faible ou un truc fort, ben, ça va servir de tout ou de rien ou de la moitié. Ah, il faudrait plutôt un pin-out qui serait plus parlant. Voilà un pin-out. Ça, c'est nettement mieux. Donc en fait, si on regarde bien, en fait, les choses sont les mêmes d'un côté et de l'autre. Grande, on a grande ici, grande là, grande ici, grande là. TX1, TX2. En fait, les choses se croisent. Mais il y a certaines valeurs qui vont revenir. Ouais, je le croise. Vébus va revenir, par exemple, des deux côtés. C'est la même chose, c'est les mêmes lignes. Vébus. Et les D+ vont revenir aussi sur la même chose. D+, D+, D-, D-. Parce que si on regarde bien, avec D+, D-, Vébus, vous avez une liaison USB 1 ou USB 2. Largement suffisant pour faire une liaison de ce type-là. Et ensuite, les autres servent pour d'autres liaisons plus complexes. Donc par exemple, les TX vont servir à balancer de la vidéo en même temps. Ou vont servir à faire des communications USB sur plus de channels, avec plus de bandes. Pouvoir transférer des choses beaucoup plus fortes. Donc c'est un port qui est changeur, un port menteur, un port changeur, un port un peu étrange. Je remets le chat vite fait voir s'il n'y a pas de questions. Mon image est floue. Laquelle? Celle-là? Ça c'est flou pour vous? C'est le cas, c'est embêtant, j'ai pas de solution. Ouf, je sais pas, non. Bon, j'ai pas de réponse. J'espère que c'est pas celle-ci qui est floue, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Donc on a ça à savoir, les pins. Et ensuite, on a la manière, je vous avais parlé des voltages. On va regarder ensemble les voltages. Ça va être marqué aussi dans la fiche technique. Tiens, ce que je vous parlais ici. Vous voyez, en fonction des normes que vous servez, vous n'avez pas besoin de toutes les lignes. Je vous ai parlé de VBUS, des plus, des moins. En fait, c'est ça, USB 2, USB 1. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Ça. Et ça. Grande, VBUS, des plus, des moins. Si vous voulez juste faire de l'alimentation, c'est encore plus drôle. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, beaucoup de choses. VBUS, CC1 et CC2, ou enfin en fonction du sens visiblement. Donc CC en fait sert à faire la communication entre le chargeur et l'appareil pour lui régler la puissance qu'il a besoin. Et une fois que la puissance est correspondante, il s'alimente sur VBUS. Ouais. Prends des rouges. Et toutes les modes d'accès. Et ensuite. Si on peut avoir plus de choses sur le power delivery, ça serait bien si on pourrait en parler parce que c'est la seule chose qui nous intéresse dans ce sujet-là. Parce que le power delivery, c'est l'alimentation en fait. Qu'est-ce que dit la fiche Wikipédia sur l'alimentation? Compatibilité issue, non. Non, c'est ce qu'on a vu ici. Le sujet n'est pas assez développé. USB-C, on va chercher et on va taper PD à côté. Il doit y avoir une page dédiée au Power Delivery, tout simplement. On va essayer de prendre première page de Google. Non, c'est pas ce que je cherchais comme info. Tiens, je te passe le téléphone. C'est vraiment pas ce que je cherchais. On n'a pas un article un peu mieux fait chez Belkin quand même, ils ont fait quelque chose de parleur. Non, c'est trop grand public. Sur un blog. Parce que même moi je connais pas toutes les voltages que peuvent prendre l'USB-C. Il me semble que c'est 5, 9, 15, 20. Mais j'en suis plus sûr. Tu l'avais dit de te rappeler. J'ai pas encore fait les recherches pour l'instant. J'ai reçu les photos, je vois que c'est un ventilateur qui a cramé, mais j'ai pas encore recherché. Ça peut peut-être s'adapter en fait. Faut que je trouve le voltage de son ventilateur. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc tu vas rappeler? Oui, je vais le rappeler. Allô? Pour l'instant, j'en sais rien. Pardon.
Bon, ça me saoule, faut me croire sur confiance parce que je trouve pas l'info que je veux. Peut-être ici, sans être sûr. Je regarde le chat en même temps. Salut Pierre-Nov. On cherche est-ce qu'il est capable de délivrer l'USB-C en termes de différents voltages et je trouve pas de réponse précise. Si, ça y est, ce tableau est un peu mieux. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. L'USB-C, ça peut faire du 5 volts, 9 volts, 15 volts, 20 volts. C'est un fourre-tout. Alors généralement, les 5 volts, vous les retrouvez sur quand vous chargez avec votre appareil, donc avec votre chargeur USB-C Power Delivery, vous chargez. Un vieil appareil un peu stupide avec un adaptateur, ça va être souvent du 5 volts. Quand vous allez avoir de la négociation Qualcomm, ça va sûrement être du 9 volts. 15 volts, c'est ce qu'on rencontre sur la Switch. J'ai pas vu d'autres appareils qui utilisent le 15 volts, mais je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres. Enfin, sur le coup, moi je le vois sur la Switch. Et 20 volts, c'est généralement ce que vous voyez sur les ordinateurs portables. Donc un USB-C, ça peut faire tout ça. On va le vérifier ensemble, hein, tout simplement. Mince. On va se remettre là. Je vais remettre mon chat-chat. Voilà. De rien. Allez. On va se brancher. Donc ça, c'est le chargeur d'origine qui est livré avec le... Oups. Excusez-moi. Oh mon Dieu. Qui est livré avec l'ordinateur. On va le brancher. Boum. Si j'y arrive. Et on va utiliser cet appareil-là. Je pense que certains, beaucoup le connaissent. Hein. Mais c'est un testeur, en fait, hein, tout simplement. Donc ça nous permet de visualiser le courant qui passe à travers le câble. Ok? Et avec ça, on va se mettre comme ça. Je peux avoir mon téléphone? On va le brancher. Merci beaucoup. Ah zut. Il est pas terrible son câble USB-C, c'est pas le plus important. Et on va le brancher. On va regarder ce qui se passe au testeur. Donc vous voyez, sur le testeur, il me dit. C'est un peu fou. 5 volts et 2,45 ampères. Donc là, ce chargeur-là, il est actuellement en train de charger en 5 volts. On va essayer de prendre une switch. Si j'en trouve une. J'en ai une ici à côté de moi, je crois. Ouais. Elle est super bien emballée, celle-ci. Hop. Elle est super bien emballée. On va prendre une switch, on va brancher notre chargeur, on va remettre notre câble qui tient pas la route du tout, mais alors pas du tout du tout. Oh, il tient pas. Hein. Son câble USB-C est abîmé au client. Alors, pas abîmé dans le sens où il est cassé, mais il rentre mal. Hein. Et on va essayer d'alors. Mince, je vais essayer de vous retourner le testeur. Je crois que si je reste appuyé, ça retourne l'affichage. Non, il me semblait que c'était ça. Je marteau. Bon, c'est à moi de retourner. Voilà. Donc le même chargeur, je viens de le brancher sur une switch et on tombe à 15 volts. Tout le monde voit? 15 volts. Alors sur mon téléphone, il était à 5 volts. Donc ça, c'est la capacité de négociation de l'USB-C. Quand vous le branchez à un appareil, vous allez avoir certaines lignes, donc les lignes que je vous ai montrées tout à l'heure sur les schémas, qui vont hop, on va éteindre la console, qui vont se connecter à votre appareil, qui vont discuter avec votre appareil pour déterminer quel voltage est nécessaire pour le bon fonctionnement, la charge de l'appareil. Et à partir de là, ça va changer le chargeur, donc le voltage qui a passé par l'USB-C, pour le monter au supérieur. Et donc ça va négocier. Hop. Qu'est-ce qui se passe sur ces ordis-là? Donc celui-ci, ouais, celui-ci c'est bon comme exemple. Je vais le brancher, hein, je vais brancher mon testeur. Je vais brancher mon câble. Le truc s'allume. Et on voit, alors, je vais vous donner les chiffres moi-même, hein, parce que c'est trop. On voit 5 volts et 0,00. Donc, pas de consommation électrique. Et notre chargeur, il bloque à 5 volts. Sachant que c'est un ordinateur. Les ordinateurs ont des grosses batteries, ça va être compliqué, voire impossible de charger une batterie correctement avec 5 volts. Donc si on veut charger un ordinateur avec de l'USB-C, il faut que cet ordinateur il soit capable de négocier avec le chargeur pour lui dire non, mon pote, moi je suis un
je suis un truc de 20 volts, envoie-moi un 20 volts pour qu'on puisse fonctionner. Le chargeur enverra 20 volts et normalement l'ordinateur fonctionne. Et là, c'est pas le cas. En faisant ce test, tout bête, brancher le chargeur, de mettre le testeur, on a pu déterminer quand même beaucoup de choses. Mon testeur, il s'annule, mais j'ai quand même un voltage qui arrive sur la carte. Donc je suis quasiment sûr que mon port est bon. Parce que les bords USB-C, à partir du moment où ils sont un peu abîmés, ils sont complètement foutus. Vous ne pouvez plus les brancher, vous ne pouvez plus rien en faire. C'est pas ça marchouille un petit peu, c'est que c'est claqué. Donc le port est bon. Je sais aussi que j'ai pas de gros court-circuit sur mon ordinateur, parce que si là j'étais en gros court-circuit, donc avec la Terre, mon testeur se serait arrêté. Les chargeurs USB-C ont des mécanismes de sécurité, ne chargent pas d'appareils qui sont en court-circuit, parce que dans ces cas-là, ça balancerait toute la patate disponible sur le chargeur et ça ferait des dégâts. Donc ça coupe net. Le testeur s'est pas coupé, il est toujours là. Donc là, ce que je vois, c'est que on branche, il n'y a pas de négociation. Il n'y a rien qui lui dit de monter la puissance. Donc on a plusieurs comme ça, hein. J'en ai eu un, et alors c'est assez marrant, le lendemain j'ai eu un confrère qui m'a ramené un ordinateur qui était exactement le même, avec des syndromes qui étaient à peu près similaires. Donc ça c'est celui de mon confrère, l'autre ordinateur en question, quand vous le branchez, le chargeur n'arrête pas de redémarrer en fait en boucle, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Donc celui-ci est stable, il s'allume, mais on n'a rien de précis là-dessus. Par la magie de la préparation, l'ordinateur a déjà le capot qui est viré, donc on a juste à retirer la carte, nous. On va se passer au microscope. J'espère qu'il a allumé, configuré, paramétré. Normalement, oui. Peut-être la focale qui prend automatique. Ouais. Ça me semble être manuel, tout ça. Hop, on va repasser en auto. Nickel. On va monter aussi pour avoir plus de hauteur de vue. Et on va figer. Et alors, comment on va se démerder pour dépanner un peu ce merdier ? On va observer les choses, observer ce qui est possible d'observer dans le domaine de l'immédiat, donc sur la partie visible de la carte mère déjà attachée. On va essayer de se placer au niveau du port USB-C ici. Et on le voit là. Et on va regarder ce qu'on a à partir de là. Donc là, on a des composants. On va zoomer un peu pour mieux voir. On va mettre de la lumière aussi. Ah, je vais passer en full auto. Si je zoome et j'ai des zooms, on va être embêté. Donc on se retrouve, visiblement c'est très petit, je sais pas ce que c'est comme composant, ça ressemble à des filtres, très probablement des filtres. Donc on a des filtres, on a des lignes qui remontent, qui vont des condos, très bien, non c'est pas des condos, non c'est encore des filtres visiblement, ça remonte et ça va à cette puce là. Donc, je sais que déjà mon port USB-C est lié à cette puce. Il paraît bête hein, le truc que je viens de faire, hein, comme ça, hein, où je prends mes yeux, je regarde mon port et j'essaie de zioter ce qui est possible de zioter et de suivre. C'est tout simplement pour réparer sans carte. Hein. Parce que sinon, l'autre alternative, c'est de checker toute la carte et manuellement regarder chaque puce et se demander à quelle puce correspond à ce qu'on a besoin. Non, là, en suivant directement, je sais que j'ai déjà un lien qui existe entre mon port USB-C et cette puce. Et, hop, on va regarder cette puce. Alors, j'essaie d'orienter pour que vous puissiez voir la gravure qui est dessus. Et on voit Slimport ANX 3429. Ah. Donc on va aller sur le navigateur. On revient ici. On voit. La charnière, je pense pas qu'elle est à fixe, c'est juste qu'elle est pas vissée. C'est tout con, c'est qu'on me l'a ramené avec la charnière dévissée, c'est très gentil de la part du mec. Et voilà, c'est pour cette raison-là. ANX, j'ai oublié. Ah, oh, mémoire de poisson rouge, j'ai oublié. Je le vois d'ici. ANX. Putain, je sais plus. Non, je vois pas. J'ai surestimé mes yeux. Hop, on revient ici. ANX 3429. Et on cherche ça. Et on se retrouve, tac, avec le PDF du fabricant. Et dans le PDF du fabricant, il nous parle quoi ? USB-C, type C, cross point, switch. Ah !
Donc même si on n'est pas très 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 bon en anglais, on a quand même quelque chose qu'on comprend bien, c'est USB type C. Donc on sait qu'il y a une liaison, il y a un rapport avec ça. On sait aussi qu'avec les connaissances qu'on a apprises précédemment, qu'il n'y a pas de négociation qui se fait avec l'ordinateur. Donc il n'y a pas de montée en voltage et donc il n'y a pas de charge possible. Quand on lit un peu les caractéristiques, on voit que ça fait énormément de choses. Ça vous contrôle beaucoup de choses. Ça contrôle visiblement le DisplayPort. Ça sert pour faire de la grosse switch de bande passante, soit. Ça sert pour le signal USB 3, on s'en fout. DisplayPort Alternative Mode, donc ça c'est en fait le fait de sortir l'image en USB, en HDMI, on s'en fout aussi, c'est pas ce qui nous intéresse. 5 volts tolérance CCV quand on s'en fout, dead battery on s'en fout, I2C slave mode on s'en fout, on continue à chercher. Power supply for analog part, hein, d'accord, donc ça génère du courant, intéressant. 3,3 volts, très bien. Blablabli, blablablu, blablabla. Et ça parle avec le PMIC. Bon. On cherche, on continue à chercher. On cherche en fait une notion au PD, au Power Delivery. Qu'on trouve ici. USB Power Delivery Charging and Vendor Definitive Message Protocol, blablabla. Donc, ça sert visiblement à la négociation avec le chargeur. Donc, si on n'a pas de négoce, mais potentiellement il y a un problème à cet endroit-là en fait. Donc on va revenir sur notre coco, on va prendre notre multimètre, et tout simplement on va chercher des shorts autour. Hein. Souvent quand les puces ont des problèmes, elles ont des courts-circuits. Donc on va mettre hop, un sur terre, on va se pointer ici, à un endroit où vous voyez, je vais enlever le pop-up si je peux. Voilà, ok. Et on y va. Je me mets en mode bip. Un peu plus parlant, un peu plus rapide. Donc là ça bip de ce côté-là et de l'autre côté ça bip. Donc allez, le premier condo qu'on comprend, il y a déjà un souci. Les deux bip des deux côtés et si on laisse un petit peu avec une résistance qui est pas mal faible. Donc ça comme c'est les mêmes, hein, ça... ah, c'est pas les mêmes. C'est cette ligne-là qui est short, celle-là elle est short. Vous voyez, toute la ligne, tout ce qui découle d'ici est short. Donc potentiellement aussi les deux lignes qu'on a suivies. J'ai l'impression que ça remonte au même endroit. Est-ce qu'on a d'autres qu'on doit vérifier? On a ceux-là. On peut regarder ceux-là aussi. Là, pareil. Grosse trace ici. Par là. Les deux shorts. Et là, rien, mais bon. Je vais m'en dessiner une vidéo. Donc on a repéré il y a un des endroits avec des shorts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la puce. Et on va essayer de se dire, est-ce qu'on a toujours ces shorts à cet endroit-là? Ok? Je remets le chat, sinon je vois pas. Voilà. Moi, je me prends en photo, comme d'habitude, la zone. Pour avoir les visseries et compagnie, un peu plus haut. Parce qu'il faut enlever la carte. Je vais me prendre en photo l'image que j'ai au microscope. Comme ça, je sais si j'ai défoncé quelqu'un, je sais quoi regarder. On va remettre la bonne vue. Hop. Ça clignote un peu, hein. En fait, la webcam. Ah ouais, ça. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Un jour, on aura des meilleures caméras et on changera tout ça, mais pour l'instant, on est embêté. On fait comme on peut. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Concrètement. S'il y a plus d'éclairage, ça n'a pas contrecarré cet effet. Je crois que c'est parce que j'utilise des LED et ouais, c'est ça. Et que la fréquence rentre en collision avec celle des caméras. Est-ce que je peux améliorer ça? Je pense pas, honnêtement. Avec une gestion différente de l'exposition? Non, c'est pire. Non, il n'y a rien à faire. Oh, vos yeux. Oh là là, désolé pour vos yeux. C'est un peu mieux comme ça. Je crois que c'est suréclairé, mais au moins ça clignote plus. Ah, l'image est pas belle. Ah, vous m'excusez. Ça scintille, ouais. Ça scintille. J'ai pas beaucoup de choix. Désolé, je m'en excuse. Sincèrement. Vraiment. Dommage. C'est la vie. Bah, l'étape 1, comme d'habitude, tout le temps, on fait toujours la même chose. On va se virer la batterie. Que je sais pas comment elle est connectée à cet ordi. Elle est connectée où?
Ah bah non, j'avais déjà déconnecté. La personne qui m'a ramené l'a déconnecté avant. De toute façon, il fallait déconnecter quand je faisais mes mesures aussi. Dis donc, elles sont serrées super fort ces vis. J'arrive pas à les avoir. Non. Le tournevis, il a envie de sauter, donc je vais pas insister, sinon on va bouffer la tête. Je vais utiliser un plat, tout simplement. Voilà. Hop, ça c'est les vis de batterie, le plat il revient à sa place, mon tournevis il revient à sa place aussi. Pourquoi j'ai autant de mal à dévisser chaque vis? On m'a fait une blague? Non, c'est bien la bonne tête. C'est mou comme ordi en fait. Hein. C'est vraiment fait à la cheap les Chromebooks. Hein. Il y a un corps de vis là. Chip, chip, chip. Voilà, hop. Donc on s'enlève la patos. Avec les haut-parleurs. Pourquoi pas. Voilà, bien sur le côté. Qu'est-ce qu'on s'enlève? On s'enlève la nappe du clavier, on s'enlève le trackpad, on s'enlève la liaison avec la carte Fi numéro 1. Piou. La liaison avec la carte Fi numéro 2. Ce truc qui j'imagine est la webcam. Oui, c'est ça. Les antennes Wi-Fi qui sont planquées ici. Derrière le scotch. Voilà. Et le 2. Squink. Là, c'est bien scotché. Quand c'est rabattu, ça va être dur à remettre. Hein. Hop, voilà. On va s'enlever les deux vis qui tiennent ici notre système de refroidissement. On va les mettre ici, dans un coin. Puis on va se retirer les deux vis qui retiennent la carte mère à sa place. Il n'y en a pas plus que deux. Non, rien derrière ça, rien derrière ça, rien derrière ça. Les deux vis. Il n'y a pas plus, monsieur Chromebook? Non. Et on va sortir la petite la carte, hein, c'est impressionnant. À partir de là, j'aurai plus de distance pour déconnecter, voilà, mon LCD. Et on se retrouve avec la carte seule. Génial. Donc on va retirer la puce qu'on a vue là, et on va voir si le short existe toujours ou pas. Hop, je vous repasse sur la bonne vue. Et où? J'ai perdu ma souris. Loupé, on était là. Est-ce que c'est cette puce qu'on cherche? Je sais pas pourquoi ma caméra est floue. Non. Même si elle est très belle, c'est pas cette puce qui nous intéresse. Là, on est au niveau du connecteur, c'est celle-ci plutôt. Voilà, c'était elle qui avait un short chelou. Donc je le rappelle pour l'audience, qui était donc situé ici et là. Toc, on lève le port et on voit ce qui se passe. On prend du flux pour nous faciliter la tâche. On met du flux tout autour. On va mieux cadrer l'image avec le microscope. On va se rapprocher. On va zoomer un peu aussi. Verrouiller la mise au point. Et dessouder. On va faire la technique habituelle. Hein. On va juste chauffer, tirer sur la puce. Et alors cette fois-ci on n'en remettra pas une tout de suite. On va d'abord comprendre si oui ou non cet endroit pose problème. Parce que si le short résiste et est toujours là, même après avoir retiré la puce, c'est que le problème vient d'ailleurs. J'essaie de passer de puissance d'air 2 secondes. Hop, j'essaie de vous placer la carte dans le cadre. Voilà. Voilà, et tout le monde voit correctement.
Ça va partir assez vite comme puce, hein. C'est une petite carte de toute façon. Voilà. Toute petite carte. On retire la puce, on prend notre multimètre. On se remet un qui touche la terre, l'autre qui touche sans se brûler le celui-là, on avait dit. Donc ça bip ici, mais ça bip plus là. Et là, la même chose. Ici, on avait donc ces deux qui étaient short tout le monde. De ce côté-là, oui. De ce côté-là, ça devrait pas. Et ça l'est plus. Ok. Donc maintenant, on va chercher une puce parce que par la magie de la préparation, j'ai déjà commandé la puce. Je ferai pas de vidéo sinon. Je vais la chercher. Pour la chercher, il faut la rechercher. Donc, on y va. Retour sur le navigateur. On va chez nous. On se connecte. On va dans les pièges. Et on cherche un RNX. Allez, ED5. ED5. Ils sont où les ED5? Ils sont à côté. Voilà. Zopoil. Et on va se prendre une puce. On met dans la vue là, non pas celle-là, celle-là. Pour prouver qu'il n'y a pas de triche, c'est bien une puce neuve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que j'ai oublié le sens de la puce et que j'ai pas pris de photo. Ce qui est faux, hein, j'ai une photo, mais on va faire comme si. Donc, est-ce que à l'œil, en regardant la carte, on peut se dire est-ce qu'il y a un moyen de déterminer dans quel sens va la puce? Au pif. Je règle à combien? J'étais à 500, ouais. Un 500. Tu fous tout à donf. Tu prends l'appareil comme ça, t'appuies sur les boutons que ça fasse bip, c'est plaisant. Attends, quand t'entends, bip comme ça. T'appuies, tu fais bip. Et tu lèves la puce. Le plus important, c'est pas tant. Bon, il faut pas être très, faut pas être à 500 degrés sur une carte, genre une carte d'alimentation, parce que c'est fin, il n'y a pas beaucoup de couches et ça va exploser en fait. Mais sur les cartes d'ordinateur, c'est des trucs avec plein de couches, en fait, ça bouffe bien la chaleur, donc il faut lui envoyer beaucoup. Il faut voir ça comme une frappe chirurgicale. On va faire du dégât, mais sur une zone très concentrée et très rapidement, histoire de non plus pas propager tout ça. Donc vous voyez, on chauffe fort sur le même endroit et pouf, on retire la puce. Je rêve ou l'image a figé? Non, elle n'est pas figée. Donc, on se dit, merde, j'ai oublié de prendre une photo, je suis débile, je sais pas comment souder ma puce. Quand on regarde la carte, ils vous ont mis du masque blanc. Les inscriptions. Et ces inscriptions, elles vont nous aider en fait à pouvoir comprendre les choses, placer les choses. Donc là, typiquement, c'est un peu les meilleures inscriptions du monde qu'on puisse y avoir sur une carte. Donc merci Asus pour nous avoir précisé tout ça. Puisqu'on voit des choses en fait. On voit des chiffres. On voit 13, 25, 37. Ok? Et on voit un dessin. Hein? Ici, là, là. Et là, on a une barre ici. Donc en fait, c'est tout con. Le côté où il a la barre, c'est le pin 1. Donc le pin 1, il est là. Il start là. Et si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai sûrement loupé. Et là, vous arrivez à 13. Et encore un continue, 14, 16, etc. 25, 37. Et vous avez fait le tour de votre puce. Donc en fait, même si j'avais pas pris en photo, même si on donnerait la carte comme ça, même si j'avais jamais vu la puce avant. Et qu'on me dit, ouais, sous moi une puce neuve, bah vous savez que vous devez le mettre dans ce sens-là. Tout simplement. Ça? Voilà. Ok? Bon, on va souder cette puce. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Je prends l'air chaud, je pointe correctement, pas à côté. Je me tiens moi à côté pour essayer de rattraper la puce si à cause du flux, elle n'était pas en train de nager et qu'elle va pas se barrer. Et je l'observe au microscope, voilà, pour attendre. Parce que je voulais pas qu'il se passe.
Reviens à ta place. On remet. J'observe au microscope jusqu'à qu'elle se positionne. Bon, alors attendez. Vu que la puce se croit maligne, je vais la bloquer à sa place. Ah bah non, elle est déjà en train de se souder ici. Alors attention quand vous faites ça, parce que si elle est déjà soudée et que vous forcez, vous allez... Ah, elle se balade en zigzag, attendez 2 secondes. Tolérable, ça. Reste comme ça. Bouge plus. Elle est petite, hein. Heureusement qu'il y a de l'espace autour de cette puce, hein. Je joue avec le fait que j'ai des creux ici, hein. Se soude à chaque fois, en plus c'est absolument affreux. Voilà, donc là elle est placée, on va la cadrer maintenant presque, encore un petit pitchoun, parfait. On va remettre du flux à cet endroit là et ce sera bon. Elle est glissante cette puce, hein. Et ce sera bon presque puisqu'on est aligné de manière désastreuse, j'ai l'impression. On va bien voir en faisant un reflow si elle veut se replacer un peu plus ou pas. Non, faut l'aider. Allez, on va t'aider. Va. Voilà, on l'a aidé un petit peu. Elle est feignante cette puce, hein. Elle veut pas se placer toute seule, elle veut pas tenir à sa place. Elle est pas simple à souder. Il n'aura pas mis au point, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est pas génial. Hein. On va reprendre ça. Tant que la carte est chaude, on va le reprendre. Vaut mieux faire comme ça. Que se dire c'est bon et puis finalement d'avoir des soucis. Oh là, j'ai du mal à vous régler l'image. 2 secondes. J'essaie de vous... quelque chose de visible et potable. Voilà. Pardon, on recommence la soudure, elle est pas belle. Voilà, ça devrait être beaucoup plus joli. Et je crois qu'il va falloir repasser avec le fer aussi. Il n'y a pas le choix. On n'y échappe pas. Il y a un pépin là de ce côté-là, je crois. Non, c'est bon. Pas simple à souder cette puce, hein. Ce côté-là est bien. Ce côté-là est absolument illisible à cause du flux. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Du flou. Jean-Michel. Non, c'est bon. Est-ce qu'on a shooté des choses? Si c'est possible, j'ai galéré. Non. Nope. Tout le monde est là, tout le monde est content. Très bien. On nettoie. Et une fois qu'on a nettoyé, on revérifie la présence de nos shorts. On va se remettre dans l'image que vous avez vue précédemment. Donc on avait la tête en bas. Hein. Qu'on soit conforme. Plus à gauche, plus en haut, plus à droite, plus dézoomé. Dézoomé. Et voilà. Notre puce, elle est soudée. Donc avant de nettoyer,
Parce que si on a besoin de la retirer pour une raison X ou Y, on vérifie nos shorts. Parce que c'est. On avait un short quand il y avait la puce, l'ancienne. On l'a retiré, pardon pour la mise au point. C'est pas interdit que quand on la remet, on a le short qui revienne. Ça voudrait dire que dans ces cas-là, le short serait ailleurs. Ce serait une composante du problème, mais ce serait pas la source exacte. Ça sonne là, et ça sonne pas là. Donc là, on est bon. On nettoie et on va remettre en place notre carte mère afin de vérifier si cette fois-ci notre chargeur a bien une négociation sur 20 volts et peut-être, qui sais-je, avec beaucoup de joie et d'espoir, avoir une image sur l'ordinateur. Il va falloir la brosse pour celle-ci. Oups, pardon. J'ai oublié de nettoyer ce côté. Il nettoie très mal ce côté, ou ça va être la luminosité qui fait ça, parce qu'il me semble pas sale, moi, l'œil. J'en ai pas l'impression. La brosse à dents. On recycle tout ici. Même les brosses à dents. Je vois pas pourquoi j'achèterais une brosse toute faite alors que la brosse à dents marche très bien. Elles sont nickel mes cartes. N'est-ce pas? Bon. On va virer le microscope, on va revenir sur ça. Bong, j'ai tué la lumière. On va réparer la lumière que j'ai tuée aussi. Hein? Arrête de mourir. Voilà. Hop. Faudrait que je m'en rapproche un peu. Voilà. Et on va replacer notre carte à sa place. Hop. Ici, ça passe au-dessus, ça passe au-dessus, ça passe au-dessus, ça passe au-dessus. Ça, je vous laisse deviner, mais ça passe au-dessus aussi. Quelle surprise. Et ça passe au-dessus. Très bien. Ensuite, nous avions deux cartes pour la carte mère. Deux vis pour la carte mère, je veux dire. On avait une située pas loin du refroidissement, c'est ça, ici. Et une située à l'extrême opposé. C'est-à-dire, tout là-bas. Ouais, ça marche nickel, ouais. Bon, je crois que c'est une signale aussi. Hein, c'est une Colgate. On voit arrêter. Il faut vraiment que je. Si vous avez tiep, hein, vous m'envoyez de l'argent pour acheter une caméra. Oh, vous savez, ça se voit pas, mais c'est marqué Colgate. Mais je crois que l'exposition pète les yeux en fait. Hein. Bon, au moins ça clignote pas, on verra bien. On visse là, on visse là. On va se remettre les cartes filles. Parce qu'il y a des puces à l'intérieur. Notamment, je vois un port HDMI de ce côté. Non, c'est encore un port USB-C. Donc, on a une puce qui sert à la sortie d'image de ce côté-là. Donc, ça serait couillon de d'avoir un ordi qui démarre pas parce que cette puce n'est pas visible. Hop. On va se remettre le trackpad. Ça, c'est pour éteindre l'ordinateur quand il s'allumera. S'il s'allume. Le clavier, on s'en fouche. Si, non, non, en fait, c'est peut-être intéressant parce que. J'imagine que le bouton power est sur le clavier. L'écran, je veux voir ce qui se passe. Ça m'intéresse beaucoup. Et le reste, on s'en moque complet. On se moque de tout le reste. La batterie, on s'en cogne pas. On va la mettre. Ça
C'est vrai qu'elle est livrée avec les haut-parleurs aussi. Voilà. On va la mettre, elle devait être comme ça, je crois. Voilà, on va mettre une vis pour pas qu'elle se casse la figure. P. C'est ce qui m'énerve un petit peu quand je regarde certaines vidéos de réparation, c'est qu'on voit mal les choses. Et puis après, quand je fais moi-même des vidéos, bah, je me rends compte que c'est très difficile de filmer correctement, surtout quand vous êtes seul. Donc moi, bah, pour l'instant, contentez-vous de ça, et puis un jour, on aura peut-être une config un peu mieux. S'il y a plus de gens qui s'intéressent au YouTube, de toute façon, au fur et à mesure, j'investirai toujours plus de sous. Hein. Si ça plaît. Hop, on se rebranche la batterie Titi. La batterie Titi. Tout le reste, on s'en moque. On va se mettre l'ordinateur comme ça. On va se mettre notre testeur du côté où moi je peux le voir. Comme ça, je vous dis ce qui se passe. Et on va se mettre notre port USB-C de tout à l'heure. Celui qui a du mal à rentrer. Et on voit 5,71 V, 5,18 V, 0,42 A. Ah. Donc, on a une consommation fixe. Mais on n'a pas de négociation qui se fait. Non, merde, c'était pas le résultat que j'aurais souhaité. Hop. Je vais utiliser juste un autre chargeur USB-C dans le doute. J'arrive de suite. C'est juste pour être sûr. D'accord. Hop. J'ai le même syndrome avec un chargeur qui fonctionne. Donc j'ai pas de négociation. Bientôt les 1000 abonnés. Ouais, c'est pas mal. Ah, 144p, c'est lisible. Ça, c'est clair et net. Alors, est-ce que c'est une question de sens de USB? Dans le doute, hein. Je vais essayer de retourner le câble, mais je pense pas. 5,18 V, 0,42 V. Non. 5,18 V, 0,42 V. On a 0,42 V de consommation fixe sur 5 volts. On va se prendre la caméra thermique. Et regardez où ils vont, ceux-là, de voltage. La batterie est bien connectée, hein. Ou c'est une question de batterie. Si on enlève la batterie, il se passe quoi? L'ordi s'en moque complet. Donc on va lui remettre sa batterie pour l'instant. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que... Alors, très bien, on a récupéré du voltage, mais on a récupéré de l'ampérage, mais on n'a pas de négoce vers 20 volts. Et ça me déçoit au plus haut point. On va chercher ça à la thermique. Tout simple. Ah, si on a une zone qui brille plus qu'une autre. Quelque chose du genre. Tu t'ouvres l'appli? C'est quoi qui pointe là? Et s'il y a un truc qui va pas sur la régule ici? Je vais essayer de vous le montrer au microscope. J'essaie juste de déterminer à peu près c'est qui. C'est la puce qui est à côté qui déconne, putain. Non, il consomme 20 volts. Si c'est un ordinateur, il consomme 20 volts, en fait. C'est comme ça que je le détermine.
Puis là, tu vois cette puce qui, tu sais, qui est en chaleur comme pas possible. Tu vois. Qu'est-ce qu'on voit? Tu vois. Tu vois une conso qui évolue pas du tout. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est bloqué dans la logique. Donc c'est moi sur cette zone-là que j'ai vu. On avait un condo. C'était en dessous. C'était pas loin de cette prise. Voilà. Juste là. Ah putain, ça je connais. C'est un régulateur. Donc on a un rail qui est short. On va mettre de l'alcool pour savoir c'est qui exactement qui a le plus chaud. Ok. Et si on enlève? Ouais. L'alcool revient. Là, on est embêté par contre. Un peu inattendu comme surprise. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le mettre de côté pour l'instant. On va essayer l'autre Chromebook qu'on a en stock. On va voir si lui, en changeant la puce, c'est bon. Ouais. Et même chose, par la magie de la préparation. Salut Karl. Les préférences, oui, moi j'aime bien Mouser à tout prix. S'il n'y a pas Mouser, non, là je préfère prendre sur AliExpress. Parce que Mouser, ils sont bien au niveau des frais de port qui sont offerts, au niveau de la TVA. Tout ça, c'est top. Donc, c'est le même Chromebook. Avec, je crois, les mêmes shorts au même endroit, si je me souviens bien. Donc, on va faire la même chose. On va s'enlever la babate. Hop. Bon, comme c'est les mêmes vis, on va mettre tout le monde ensemble. Les vis de la batterie, donc. Clac. On s'enlève la batterie. On s'enlève les haut-parleurs. Attendez, celui-là. Celui-là. Les câbles. La batterie, je vais la mettre avec son ordi, j'arrive. Voilà, pour pas inverser les batteries des deux clients. On se débranche. On se débranche. On se débranche. On se débranche. Ah, je vous montre ce qu'il fait celui-ci avant. Peut-être. Ça serait mieux. Donc c'est la même chose. 5,19 et rien. On va se débrancher ça, on va se débrancher ça. Les deux vis du radiateur. Voilà, donc deux vis de radiateur. Voilà, on ne confond pas les vis. Voilà. Hop. Deux vis ici, deux cartes mères. Et en toute dernière position, les trois vis qui composent la charnière que j'aurais dû peut-être ouvrir avant de dévisser. Un accident de vis. J'arrive. Charnière. On va retenir l'ordi, dévisser celle-là, lâcher l'ordinateur. Voilà, de telle sorte que on libère la charnière. Et à partir de là, j'extrais ma carte comme tout à l'heure, sauf que là, j'ai pas enlevé ça. J'ai pas enlevé. Boum. Boum. J'ai pas enlevé ça. Viens là. Et j'aimerais bien soulever ça pour pouvoir attraper facilement mes câbles. Parfait. On débranche. On débranche. On déconnecte. Et on soulève le trackpad qui tient tout le temps.
Ça, ça s'est mis dans un trou, on va comprendre. Et voilà. Nickel. Et ça va avec son châssis. Hop, on va se remettre sur la même. Donc ça, c'est une autre carte. Hein. Juste pour comprendre, si on a les mêmes pannes, ou il y a le même régulateur qui se met à chauffer quand on change la puce, je ne saurais pas quoi penser. Hop, même chose. Donc on va revérifier les shorts. Voir si on a les mêmes shorts aux mêmes endroits, tout pareil que tout à l'heure. Je prends un bidule, je prends un machin, je me place. Je teste, ça bip ici. Ça bip là, comme tout à l'heure. Stricto la même situation. Hein? On regarde, on avait vu là. Ça bip là, ça bip là. Bon. Plus. On se place un peu mieux. La caméra, c'est la même chose. Il n'y avait pas de lumière, je crois. C'est pour ça qu'on voyait rien. Oh, j'avais oublié de mettre la lumière. C'est dommage. Voilà, on se place bien. Bah là, vous verrez mieux la soudure et tout. Et pas la lumière. Quelle déception. Ok. On va se préparer. Par contre, là, sur le coup, on va se préparer directement une autre puce. Si je les retrouve. Là. Hop. Je m'en prends une autre. On va se la placer pas trop loin, dans le bon sens. Voilà, au-dessus du super IO. Très bien. On va se remettre la dernière que j'ai dans sa petite pochette. Et on y va. Air chaud, c'est parti. Transmission. Au poil. Et voilà qui est bon. Et la puce est remplacée. J'attends un peu que ça refroidisse pour refaire les mesures. Je prends une de me rebrûler. Bon, à l'œil c'est bon, ça a même mieux que l'autre. Est-ce que des éléments bougés sur la carte? Oh. Bah c'est parce que j'ai moins de choses à vous montrer, donc c'est plus direct pour moi en fait. La deuxième c'est comme si je soudis alors que vous étiez pas là. Je me suis concentré sur moi et pas sur vous. Ouais, c'est pas ça que je voulais tester. Ce que je voulais tester, c'était lui. Donc là, plus de short, comme tout à l'heure. Bip ici, mais pas bip là. Bon. On va remonter la carte. Pas besoin de nettoyer pour l'instant. Je pourrais nettoyer depuis l'extérieur et on va retester. Voir si on bloque à 0,42, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. À 0,42, j'aurais le bout. Sa place, on relève les choses, plouf,
J'arrive pas à la mettre celle-ci. J'étais levé ici. Voilà pourquoi. Louf. 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 Les quatre antennes. J'arrive pas à les attraper. Zut. Voilà. Louf, louf. Pourquoi il veut pas se mettre à plat? À cause de ça qui est bloqué. Très bien. L'écran. Mais l'écran. On va remettre les vis de charnière. Non. On va se remettre les deux vis de carte. Et c'est tout. On va juste le brancher sans batterie. C'est juste pour voir si on a bien une négoce qui se fait à 20, quoi. Voilà. On va rebrancher ça. Comme je vous ai expliqué, on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin. Dur à brancher, celui-là est facile, celui-là est dur. Ça, s'en fout. Voilà, et on va. Vous voyez rien depuis le début. C'est pas grave, j'ai une idée pour que vous puissiez voir le testeur. Non, c'était pas ça mon idée. Elle était là mon idée, ouais. Oh. Vous allez pouvoir dévorer mon téléphone là avec la photo. Et on branche et on prie. 5-18-0-64. Et merde. 5-18-5-17. C'est la même chose. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Dites-moi. Je vais récupérer les switches. Ils sont pas pris? Non, il faut que je dessoude un câble. Il y a un câble que j'ai soudé en trop en fait. Et après, quand je lui ai envoyé un texto, il m'a dit non, il était pas soudé celui-ci. Ok. Alors il dérange pas plus que ça, mais après il voudrait peut-être que qu'il soit dessoudé. C'est lequel? C'est la ligne là? Ouais, c'est le PO. Ouais, je pensais que t'allais souder le PO. C'est vrai, non, parce qu'en plus on va le brancher sur. Vraiment ailleurs quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Sur un bloc à ligne. Maintenant ça pose problème. Et, bah sinon je repasserai. Ouais. Parce que, ah, désolé, j'oublie de prendre. Bon, c'est pas grave, rassure-le. J'ai fait toutes les soudures. Et ça, je l'ai soudé, mais après, comme j'ai fait ça un week-end, je ne voulais pas appeler pour savoir où aller le rouge. Je sais que le noir a toujours une terre, donc je l'ai soudé à la terre la plus proche. Et du coup, ça, j'ai resté embêté. Après, je lui ai demandé, il m'a dit non, c'est pas le noir. Bah non, vraiment pas, ouais, parce qu'on va le mettre en plus ouais, sur un bloc à ligne, on l'a vu hier. Donc 100% des trucs, je voulais les dessouder. Ah, vous avez tous su? Ouais. Ah, ils sont tous faits. Ils sont prêts depuis ce week-end, en fait. J'ai pu communiquer que mardi. Et depuis, j'ai pas eu le temps de me remettre pour. Ouais. Je nettoie tout, je dessous tout, quoi. C'est pas très grave, mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps, probablement demain. Ok, bah vous me passez un coup de téléphone. Ouais. Ça marche. Dès que c'est prêt. Bah j'aurais dû appeler avant. C'est Ivan, il m'a dit que c'était bon. J'aurais dû appeler avant de venir. Ouais, moi-même, de toute façon, je lui ai dit que je regarderais ça, mais là pour l'instant, je peux. Ouais, ouais, pas de soucis. Ça marche. Bah ouais, okay. On attend un coup de téléphone. Nickel, ça marche. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Ça n'a pas changé, je me serais dû, mais un cool, on va se retrouver à du 20 volts. Non, 5, 17, 0, 62. Et alors, ça c'est le pire, ce que je redoute. Hein. Si on prend la thermique, on risque d'avoir exactement la même zone qui déconne. Donc, ce qui peut être bien et pas bien à la fois, bien dans le sens où si c'est la même zone qui déconne et qu'on trouve la même réponse, ben, on va résoudre tout en même temps. Ah, ça n'est pas sûr. Ah, c'est la même zone. Je vais vous montrer à la caméra thermique. Puis s'il me croit. Bon, on est embêté. Faut que je me rapproche. Si je dézoome et voilà, que j'oriente par là. On a à peu près. On a plusieurs jaunes qui sont chaudes, type 50 degrés. Mais la plus chaude, elle est là, on avait vu tout à l'heure. Ouais, 60 degrés ici. Notre puce qu'on vient de changer, elle a rien, elle est fraîche. On a cette puce qui chauffe beaucoup, qui est sûrement un régulateur, j'imagine. Et c'est tout.
Donc là, on a un spot en plus. On a le spot qui est là. Juste là. Donc juste en dessous du super IO. Clac, ici. Et on a ce petit spot ici qui est un régulateur quelconque pour je ne sais quelle ligne. Donc ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. On va continuer à chercher, à enquêter. Pas beaucoup de choix de toute façon. Hop. On est quoi? En manuel. On va se replacer en focale automatique. On va regarder si on a des shorts autour de cette zone. Donc, c'était lui, le régulateur, qui déconne. Ah, ça fait chier. Hein. Il n'y a pas de multimètre? OL, OL. Ok, très bien. C'était quelle? C'était cette partie-là vers la gauche qui chauffait beaucoup. Ouais, donc c'est... Là, non. Là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et là, là ça n'a rien à voir, donc ça va être bon aussi. Donc on a que cette ligne-là qui est short. Et encore. Vite fait, quoi. Attends, on va se mettre en mode résistance plutôt qu'en mode bip, ça nous évitera de péter les oreilles le temps qu'il fasse son calcul. Combien on a de résistance à la Terre ici? Donne ta réponse, enfoiré. Dix-neuf trois. Et là, on doit avoir 0 des bananes. Voilà, 0 des bananes. Ah. Des fois, j'ai des ordinateurs comme ça, on clear un short et il y en a un deuxième qui apparaît. Mais de mémoire, quand vous changez cette puce, c'est pas lui qui vous cause les shorts. Faut alors identifier c'est quoi la puce déjà. LE égale 5J. C'est ça. Alors, deux secondes, je rechercherai rapidement ce que ça signifie. Si quelqu'un a une idée, dans le chat, hein, qu'il n'hésite pas à me dire. Mince. Je vais orienter la puce pour qu'on puisse la voir à l'écran et que ça reste pour tout le monde. Non, c'est TE. Non, 1E. J'en sais rien, honnêtement. GE, enfin, c'est illisible. C'est illisible. On va essayer de la frotter pour la nettoyer un peu.
LE égale 5J. Je trouve pas grand chose sur l'autre carte. Comment ça? Ouais, faudrait savoir à quoi sert circuit en fait. Idéalement. Je vais ressortir cette carte. Ouais, je vais ressortir cette carte. Tout simplement. Et... on va essayer de voir si on peut pas avoir un semblant de schématique par rapport à la carte. Juste pour qu'on évite de jouer aux devinettes quant à l'utilité de la fonction de cette puce. Qu'est-ce qu'on a de marqué dessus? C'est une C223NA. Est-ce que ça, je trouve quelque chose sur Discord pour commencer? Voilà, bon, l'inscription, ça y est, l'inscription, on l'a bien. LE égale 5J. Ça, c'est sûr et certain que c'est marqué ça. Quand l'alcool il a séché, j'ai une seconde où j'ai très très bien lu ce qui est écrit. Donc ça, on est bon. Moi, ce que je veux, donc c'est oui, board view. Schématique plutôt. On mélange les deux. Ah, y a rien. Ah si. Si si, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je vais essayer de vous montrer ça, si c'est viable. Ils sont illisibles. Est-ce qu'on a un board view? Est-ce qu'on a un board view? Non, il n'y a rien. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Ça serait cette puce, en théorie, je pense que oui. Je vais essayer de vous passer ça sur le navigateur. Loupé, je regarde ça au mauvais, sur la mauvaise fenêtre.
J'ai mis un plus là où je devrais pas. Dual channel, synchronisez-vous, DC, DC, step down, contrôleur, oui, 5 volts, 3,3 volts, LDO, général, description. Ok. De chez Richtek. Ah, donc ça c'est le dead code. Alors non, je serais pas fond, je serais pas bon, je pense. Parce que moi c'était 5J. Non. C'était LE, ma puce. Ma puce c'était LE. Product code. Il n'y a pas LE dans la liste, je pense pas. Si on tape Richtek et LE. Ça va être plutôt ça, je pense. Qu'est-ce que c'est? 8 ampères, 23 volts, synchronisez-vous, stand-down converter, 3,5 volts, 5 volts LDO. Ça y ressemble un peu plus. Maintenant, si on prend la vue de... Hop, voilà, c'est revenu, c'est en train de couper. Mais effectivement, pendant que ça a coupé, Pierre Nav avait donné la réponse et puis j'ai trouvé. C'est bien une Richtek, la puce. Et c'est vrai que quand j'ai regardé leur datasheet, c'était marqué, donc j'essaie de vous montrer. Mais c'est comme ça que je suis allé sur le bon document. Hein. C'est la méthode que j'ai usée. Cool, le navigateur fonctionne plus. Ah. Bien sûr que le navigateur ne fonctionne plus. Tu m'en diras tant. Oh là là. Oui. Je vous remets la fenêtre. Hein. Hop, voilà. J'essaie de l'agrandir pour qu'elle soit à votre résolution à vous aussi. Voilà. À peu près. Donc en fait, quand vous regardez les documents de chez Richtek et quand vous regardez les explications qui sont ici, ils vous marquent ici. Marking information, donc ce qui est gravé sur les puces, il marquait ça, 5Y égale product code. Donc en fait, ça, c'est le product code. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Ben, je vois plus la recherche Google en question, ça va être celle-ci. Voilà, j'ai tapé sur Google Richtek LE, du coup. Donc le nom de la boîte et LE, le marking que j'ai en fait. Et je suis tombé sur le premier lien donc qui me renvoie vers un step down de 23 volts à autre chose. Et effectivement, 3,3 volts, 5 volts, si on n'a pas ça, c'est foutu. Donc je me disais, on va revenir sur la caméra, ok, de telle sorte d'avoir le pin-out. Ouais, merci Pierre, j'arrive jamais à m'en souvenir. Des fois je le lis, des fois tu l'indiques sur les Discord et tout, je lis l'info, mais c'est une info qui ne percute pas dans mon esprit. Ce qui est relativement emmerdant. Parce que c'est utile de savoir ça. Donc on a remplacé la puce de négoce USB-C et on se retrouve à avoir quelque chose qui est short sur l'alimentation 3,35. C'est embêtant quand même. Et je me demande la raison. Je cherche hop, à retrouver mon doigt. J'ai du mal à remonter sur ma carte, c'est fou. Parce qu'elle est floue. Ah, parce que je suis zoomé à fond aussi. Clac, 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 clac. Donc là, ça serait... nous, on a vu qu'on avait de la chauffe sur les deux derniers pins, du coup. Donc si on regarde... Moi, il me semble que c'était vers là. Hein. C'était ceux-là. Ces deux-là. Qui a une très très faible résistance à la terre. Donc on va regarder dans les papiers de chez Richtek si ça a du sens. Bande d'enfoirés, c'est lisible.
Il est où pin 1 dans leur putain de schéma? Top view. Elle est là, pin 1. Donc si on analyse, ça serait le pin qui s'appellerait LDLO 3. Donc la sortie 3 serait short. Qu'est-ce que c'est qu'LDLO 3? On regarde quand même dans les documents. Donc on retourne sur notre datasheet. On retourne sur LDLO 3. LDO, pardon, 3. Internal 3,3 volts, LDO output. Bypass capacitor to ground. This pin is also capable sourcing some mode current to external load. D'accord. Donc ça, ça sort 3,3 volts sur ce pin-là. Et sur ce pin-là, on est très très bas. Hein? On a vu 20... combien on avait? 20 ohms, je crois. 20 ohms, c'est trop faible pour une ligne 3.3. C'est une résistance plus élevée. Normalement, on n'est pas sur une ligne de processeur. Donc on a bel et bien un souci à cet endroit-là. Je regarde de nouveau mon schéma pour être sûr hein, que je ne me suis pas planté. Et où le schéma de la puce? Il est là. Je reprends le schéma de la puce, je reprends, hop. Et oui, c'est ça. Donc ça, c'est les premiers pins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et après le reste. Donc le dernier pin, ça serait celui-là, celui qui mène vers le bas, là. Et qui s'appellerait FF. On va reprendre le multimètre hein, pour tester, de toute façon. Hein. Et là, on est vraiment dans l'enquête, hein. OL. Puis quoi encore, ta sœur OL? Ah, affiche-nous notre valeur, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'était ça notre valeur, 19,4. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je pense qu'on peut tout simplement injecter du courant et voir quelle autre partie de la carte chauffe. Sauf que ça va pas être facile à faire en live, comme ça. On va essayer de trouver une solution pour que je puisse quand même vous montrer. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Je remets le chat, hein, on a plus besoin du datasheet. Faut que je m'en souvienne. Ouais. Ok, c'est très très bonne astuce, Pierre-Neuf. Faut que j'arrive à m'en souvenir. Donc si vous avez le marking que Pierre-Neuf vous marque, c'est que vous êtes sûrement face à une puce de chez Richtech. Et... je pense que ma réflexion est bonne aussi, en disant qu'en sortie, si on a une faible résistance à la terre, donc sur LDO3, qui correspond à la sortie 3.3, c'est qu'il y a quelque chose dans le rail 3.3 qui déconne. Donc, moi, je pense qu'on a un pépin avec le Super I.O. Donc, cette puce ici, sûrement. Mais on verra bien, parce que j'ai pas de chance. Juste parce que je suis un poissard. On va essayer d'injecter. Et de regarder à la caméra en même temps, mais je sais pas comment. Donc on va mettre en place notre caméra thermique déjà. On va l'allumer, histoire d'être prêt. Si je vous la mets comme ça, est-ce que vous la voyez? Techniquement, oui. Il faudrait enlever le microscope. Ouais, vous voyez à peu près. Donc moi je vais éjecter et vous, vous allez regarder. À peu près, c'est un euphémisme, hein? Ouais, si. On est vachement proche, mais comme vous êtes là, on fera comme ça. Si j'ai de la chance. Ouais. Bah en fait, voilà, c'est vraiment de l'ordre de grandeur de la plus... De la chance, elle a pas de chance. C'est... Mais à mon avis, c'est genre deux PCH qui sont morts et les deux cartes vont partir à la benne. Comme dit Pierre Neuf, soit c'est un élément vraiment tout con. Vraiment juste un petit condensateur, un... Qui est en mauvais état et qui renvoie tout à la terre. Et dans ces cas-là, on le vira et ça sera réglé. Soit ça sera le C, donc la puce que je vous ai montrée. Soit ça sera le PCH qui, dans cette carte mère-là, est comprise directement à côté du processeur, dans le même package, dans le die. Donc, j'essaie de vous montrer. Ici. Voilà. Je ne me vois pas en retour caméra. Je crois que je suis dessus. C'est là. Donc, dans le pire au meilleur. Donc, ça, c'est le pire. Un peu plus cool à changer, on a ça. Et après, beaucoup plus cool à changer, ça sera un petit condo. J'en ai vu un qui était dégueu, mais je pense pas que ce soit celui-là.
Non, mais deux ordinateurs avec la même panne, c'est... Elle s'est éteinte là. Oh non, la fuir, elle a plus de batterie. C'est une catastrophe si c'est le cas. Parce qu'il va falloir attendre. Personne n'aime attendre. Allez, fuir. Allez, fuir. Ça sonne pas, faut que je la mette à charger. Et qu'on trouve une méthode alternative, faut trouver le short. Elle s'allume pas. Je vais la mettre à charger la caméra, j'arrive. Et alors on va utiliser des pinces coco pour mon alimentation. Voilà, une pince. On va l'allumer, on va se débrancher, on va brancher nos câbles en faisant gaffe à la polarité. Voilà. Et on va essayer de se souder deux morceaux de câble, tout simplement. Comme ça, je pourrai manipuler ma carte et on pourra connecter et déconnecter très facilement. Hein? Et on aura toujours notre multimètre. Deux câbles maintenant. Ou même un câble, hein. On va prendre qu'un seul câble. L'autre, on va prendre avec la pince, on va tenir un trou de vis, probablement celui-ci. Voilà, c'est pas très dangereux. Et on va juste. Ah, finish. Qu'est-ce qui glisse ce câble? J'arrive pas à le dénuder pour l'instant. Parfait. Il nous faut le fer. Et là, il nous faut la ligne du fer. Qui est là. Est-ce que j'ai le bon embout? Non, pas vraiment, mais c'est pas très grave. Je vais me souder donc un petit morceau de câble. Hop, tout petit comme ça suffit amplement. Tu t'allumes le fer? Non, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc 2 secondes, j'allume le fer, j'alimente. Voilà, il est presque chaud, il commence à être chaud. Il est chaud. Impeccable. Ça, et ensuite on va le souder délicatement. On va le mettre sur le test pad qu'il y avait à côté. C'est plus facile à pointer. Impeccable. Et ensuite, on va souder notre petit bout de cacable. Parfait. Hop, on va juste contrôler avec le, comment ça s'appelle? Avec le microscope que j'ai pas soudé un peu trop à l'arraché, parce que je l'ai fait à l'œil. C'est jamais très bon quand vous soudez dans des zones étroites comme ça à l'œil. L'erreur est vite arrivée, il faut remonter un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus bas. Non, c'est bon. De toute façon, pour savoir si on est bien soudé par rapport à ce que j'ai fait, c'est on va prendre notre multimètre. On va prendre le noir, on va prendre le rouge qui sont ceux-là. On va se mettre comme ceci et on va mettre. On va tester notre résistance au câble. On devrait tomber sur des valeurs similaires. Qu'est-ce qu'il est loin à calculer ce... Non, c'est des pointes qui sont nulles, je crois. J'ai un gros short tout le long là. 0,3. Et avant on était à combien? On était à 20 ohms. Pourquoi? Ça a peut-être diminué parce que je suis pas juste. On va essayer de revoir ça. J'ai un doute. Mon frère est là. J'aurais dû souder avec le microscope, on aurait gagné du temps tous.
Tu chauffes pas là, ouais, chauffe. Non, il n'y a rien de fou. Je pourrais peut-être que je le fasse. Il est un peu gros mon câble. Je le fasse partir un peu plus vers le haut, comme ça. Je vois pas ce que je fais. Comme ça. Oui, comme ça, là, je déborde pas, là. Voilà, comme ça. Il y a un problème là. Ces pins-là, ils devraient pas être reliés. Allez. Pourquoi il... J'ai une toute petite liaison qui perdure juste ici, c'est très énervant. Voilà. C'est quoi? C'est de la lumière ou c'est une soudure? J'arrive pas à comprendre. Ça va être la lumière. Voilà. Je crois. On va bien voir. Il faut prendre ma pince et si j'ai une résistance, c'est que c'est pas de la lumière. Non, il n'y a rien. C'est de la lumière. Ok. Je me rappelais d'un 0,20 et pas d'un short, short, short. Et quand tu veux pour calculer. Hein. Il passe par tous les chiffres du monde, le multimètre. T'es sérieux? Et un effort. Voilà. Pourquoi il calcule si... C'est ma terre qui est nulle, peut-être. Ah, c'était ma terre qui était Nasbrock. 19. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va pouvoir injecter. Et après, on va faire la méthode de recherche quand on n'a pas de caméra thermique, c'est-à-dire qu'on foutra de l'alcool un peu partout jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de signifiant. Hop, on va prendre notre petite pince, on se met dans le trou-trou. On va prendre notre petite pince et on va attraper notre ali. Mais avant ça, on va baisser la puissance. On est sur un RI 3 volts. Donc on va mettre pas plus de 3 pour l'instant. Voilà. On va faire clic. Et on a une consommation de 12. 0,12. Ce qui n'est pas énorme. Et merde. C'est une sortie 3 volts de mémoire, donc je vais pas me placer au-dessus de 3 volts. Je vais re-regarder ce que j'avais vu dans le datasheet. Qu'est-ce qu'il disait déjà? C'est lequel le datasheet? Il est là, je crois. Oui, il est là. Il disait 3,3. Et maintenant, à l'œil, je cherche à savoir qu'est-ce qui chauffe. Mais, oups, pardonnez-moi, oups, pardonnez-moi. S'il y a quelque chose qui chauffe dans le secteur. C'est pas facile sans la caméra thermique. Hein. Et pas des masses. Hein. C'est pas la puce que je viens de souder, non. C'est Superio? J'ai pas l'impression. Pour quelque chose qui a une résistance de. De 18 ohms, on n'a pas une folle consommation. Peut-être derrière la carte. La caméra thermique doit être chargée, je vais la rechercher. S'animer. On va bien voir ce qui chauffe. Super IO.
a qu'un seul. J'essaie de vous montrer la caméra thermique dans la webcam. Voilà. Ouais, si on regarde la chauffe, on a deux éléments qui chauffent. Non, ça c'est un problème de couleur, c'est pas si chaud que ça. Et on a donc la puce qui est ici, qui est chaude, ouais. Celle-ci, qui est à 45 degrés actuellement. Donc elle est tiède. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va enlever notre alim. Voilà, tout simplement. Et à la place, on va rebrancher notre USB-C et on va mesurer combien on a de voltage à cet endroit-là. C'est censé être 3.3, donc si on a une valeur en dessous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va rebrancher correctement notre câble dans le testeur correctement dans le port. Il s'alimente pas, c'était mal branché. Et on a combien de voltage ici? On a 2,7 volts. Ouais. Qui manque pas beaucoup, mais il manque un peu, quoi. Celle 2,8. Ouais. Je sais pas quoi penser, du coup. Un instant. Akitatec, bonjour. Oui, tout à fait, vous avez quoi comme panne dessus? Une PS3 Ultra Slim, c'est ça? Ah. Je vous avais mal entendu, parce qu'on fait pas les PS3, on fait que les PS4, nous. Et les PS5. Ouais. Malheureusement, j'en suis navré. Moi, vous aussi, merci. Au revoir. Je regarde un peu les voltages qui sont existants. Mais on trouve pas grand-chose, malheureusement. Non, on a tout simplement le rail 3 volts qui est absent, et quand on regarde donc ce qui devrait alimenter le super IO, on n'a pas assez. 5 volts on l'a ici. Donc là on a 5 volts. Je sais pas où il sort le 3 volts, probablement d'ici, mais sans en être sûr à 200%. De toute façon, on n'a rien là. Ça c'est pour le pros. Pour l'instant c'est pas d'actualité. Ça, ça ressemble à être aussi pour... Là, on a un gros fusible énervé qui a 8 volts. Alors, je sais pas d'où il est, probablement de l'USB-C. Elle est chaude, la puce. Hein. Alors, est-ce qu'elle est chaude parce qu'on a un problème de régulation? Ouh, que c'est triste et ennuyeux. Oh, je l'ai pas allumé la flûte. Voilà. Là, elle s'allume. Quand on regarde de nouveau ce qui se passe, quand on branche le chargeur. Salut. Coucou, ça va? Ça va? Ouais. Ouais. Ça travaille? Oui, mademoiselle. Oui. Ton père est acheté les meubles de devant.
Voilà. On va remettre et re-regarder ce qui chauffe. Hop. Je vais remettre le testeur. Donc. Ça n'a pas l'air de marcher. Non, il chauffe pas le super rail. Si, il chauffe. C'est la puce en dessous qui chauffe. Je sais pas qu'il y a un problème. .2, 2.3. Pas un bon voltage qui ressort de ces endroits. Ouais. Mais c'est pas encourageant. Peut-être cette BGA a un souci. Hop. On va essayer de chercher un court-circuit autour de la puce. Ouais. Ouais. C'est cette BGA là qui pose problème, cette puce là. Je vais vous la montrer. Mais elle est short de toutes parts, dans tous les sens. Hop, voilà. Ça serait celle-là, qui est encadrée dans tous les sens. Cette puce là. On va la googler un peu pour notre culture. Si on arrive à lire le marking comme d'habitude. H1B20. Hop, on va sur Google. H1B20. Ah, c'est quoi comme puce? High voltage, fax recovery, medium current rectifier. Ça doit être ça, j'imagine. Data sheet. Hop. Oh, c'est dégueulasse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Comment on va la trouver cette puce? Je regarde le chat de temps en temps. H1B2C. Ah, j'ai peut-être mal lu. Ouais. Merci. Oh, merci beaucoup. C'est nettement mieux. Cette puce. Quoi sert cette puce? 2,5 volts intégrale tête, référence circuit datasheet. C'est pas une Texas Instruments, tu aurais TI dans le nom de la puce. Ils aiment bien marquer leur nom. Et bonjour! Ma collègue arrive. Principalement, ouais. D'accord. Mais pour le volume, vous avez
C'est une autre boutique. C'est une autre boutique qui, ouais, qui peut vous aider. C'est pas loin, avenue Toulouse. Des fois on me demande, mais moi je fais pas l'électronique. Ouais. Je retrouve les pannes, mais je ne sais pas les réparer. Ouais. C'est jamais facile. On peut pas toujours, même quand on trouve, on peut pas tout le temps réparer. Ouais. C'est vrai. Bon, bref. Donc, je pense que ça va être la fin du live. Parce que. Ouais. C'est ça, ça va être la fin du live. Pour une raison toute simple. Si cette puce est défectueuse et que je l'ai pas en stock, je peux la retirer. On peut toujours la retirer. On va la retirer. Comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais... On va la retirer. Tout ça pour dire que c'est foutu. Hein. Sans la puce, pas de magie. On va prendre en photo, mais ça c'est pour mes références plus tard, pour la commande. Mais je pense pas que les clients vont accepter non plus, parce que c'est des Chromebook, c'est des ordinateurs à pas cher. Le remplacement de la puce était déjà évalué à environ 100€. Si en plus on va se remplacer une BGA comme ça, on va pas doubler le devis, mais bon. On y est pas loin, on va être à la moitié de la prix de l'ordinateur peut-être. On va enlever cette puce. Il y aura une suite, hein, probablement, je sais pas. Ça va dépendre des clients. Si les clients veulent pas faire réparer, il n'y aura pas de suite à la faire. Mais s'ils veulent faire réparer, moi j'imagine que c'est cette puce qui a un souci, c'est pas le super IO. Cette puce. Mais le problème c'est qu'on sait pas à quoi elle sert. Mais elle est short de toutes parts, donc. On va bien voir en enlevant ce qui se passe, mais vu qu'il y a plein de composants qui transitent entre lui et le super IO, on va pas avoir un fonctionnement de la machine. Ouais, c'est pas un reflow, ça sert à rien, les soudures sont belles en dessous. Hein. J'ai pris le sens de la puce en photo. C'est pas grave, il est marqué. Ouais, on a retiré la puce. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder avec le multimètre. On va regarder de nouveau. Donc on se met là. On va regarder autour, tout autour, c'était short. Hein. Je prenais ce condo, c'était déjà short. Et là, ça l'est plus. Donc oui, cette puce-là est défectueuse. Après, on n'en sait pas plus. Si, on peut alimenter l'ordinateur aussi. Je pense pas que ça le tuera d'avoir une puce en moins. Mais ça ne fera pas fonctionner pour autant. Super poisse. Quand la carte refroidit, je vais dessouder mon câble aussi. Oh, oh. Pas cadré. J'enlève juste mon câble de tout à l'heure. Voilà. On nettoie. Impeccable. Et on va remettre la vue. Voilà. On va remettre notre testeur et on va voir si on a une négoce, mais on n'aura peut-être plus rien maintenant qu'on a enlevé la puce. C'est pas dit. Ah.
Ah non, l'ordinateur refonctionne maintenant, mais il clignote en fait. On a 5,17 volts, on a une consommation à 66 ampères et on a une lumière qui clignote. Donc il nous indique qu'il y a quelque chose qui est faux. On n'a pas de négociation vers le voltage supérieur et on n'a pas de magie non plus qui se fait au niveau de l'ordi. On va regarder si on a les mêmes chauffes aussi qui se produisent. Ou regarder le voltage de tout à l'heure. Le voltage de tout à l'heure, c'est peut-être plus intéressant. On va regarder ça. Donc, hop. Tout à l'heure, on avait moins de 3 volts. Là, on devrait avoir 3 volts stables normalement. Merde, je suis en mode continuité. C'est pas bon ça. Voilà, pardon. C'est ça, la théorie est bonne. Et là, on est tombé sur 3 volts 2. Donc, on a le voltage qui est attendu. Donc, le vrai souci de cet ordinateur, c'était donc que cette puce-là qui était ici est foutue, qui est un régulateur quelconque, j'imagine. Et quand elle est devenue morte, elle a foutu en l'air la puce de négociation. Donc on a réparé une partie mais pas l'autre et donc l'ordi marche pas. Moi qui conclue. Donc effectivement il y aura une suite si le client accepte de payer la suite des travaux, sinon on arrête là, tant pis. Ok, nickel. Alors, moi, je vous dis à la prochaine fois. Si on a quelque chose d'autre à voir, on se dira. Merci d'être passé, merci d'avoir suivi, d'avoir posé des questions. Et à la prochaine. Salut!